Alors,
invite ceux à cela à donner leur source. Il y a un autre livre, 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 il y a un autre livre
Omoni a parti à Copé Sapato pour y avoir gouvernance dans Londres. Bien,
Mais quand on a une mienne,
Bonne nouvelle, mais
Il
la place à la devant, à toutes les questions, dans la paix pour le bandit. Comme on t'a bouffé à terre, la vie de Dieu a remonté à mon t'a bouffé à terre. Dans la minute, dans ma porte. Seigneur, ce baron PJ, dans les mains, la place à mon pouvoir de bandit. Et peut-être, Bateau va s'arrêter pour ce pot. Bah, on a pour le magique 6-7 personnes. C'est possible, on s'est les policiers par Zuki pour un an, on a un chauffeur, puis avant d'attaquer, on a tiré à voir les policiers. 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 On a tiré à Et puis, oh, t'as eu, on a le de Tebango. La Bible est dans la pilote. Face à face, après des jours. Soit on a toute la question. Maintenant, on sait pas, et au fond, il dit, on sait pas quoi, les amis, c'est que nous allons être en Chine. Bon, la Bible est là, il dit que les allois, la Bible, dans le bâtiment, pour nous, il y a plus. Soit, question dans les amis. À trois là, à vous faire après événement, ou bien après des jours, la Bible est là-bas. La Bible est là-bas, la Bible est là-bas. Il y a un chip là, on a l'air. Vous avez bébé, sans mon nom, à
Déjà, il est avec Christian Malanga. Alors,
Et Israël, le seul président, lui, par lui seul, il se retrouve à choisir un peuple. À choisir un peuple. Il n'est pas seul. Il est avec les papas Godé. Il est avec les papas Thomas. Il est avec les mamans Marton. Tous qui viennent de la Belgique, de la France, ses amis. Et Benjamin Paul, Benjamin là, l'Américain, il est là avec eux, à Swaziland. Benjamin. Le premier Américain qui est là, Benjamin. Il est à Swaziland. Ils sont en formation politique. Le mouvement créé par Malaga, Christian, ICP, United Communist Party. ICP, c'est ça lui. Les partis politiques, un mouvement de libération. United Communist Party. L'unité du Parti communiste. S'il vous plaît, j'aurais préféré que l'interprète se mette là-bas, tout à côté de ce que je dis là, sans parler à micro. Ça leur permet aussi de suivre ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le Président, il se dit, Ben est à Swaziland. Il appelle la limite de Ben, c'est Benjamin l'Américain. Ils sont des cinq en formation. Ils apprennent quoi? La bonne gouvernance, comment gérer le pays. Monsieur le Président, il se dit, de Swaziland, où ils étaient, avec Youssouf, l'homme de confiance, ils vont descendre à l'Afrique du Sud. Et là, Christian Malaga, il quitte l'Afrique du Sud, il vient en Angola. Monsieur le Président, l'homme de confiance est resté toujours à Swaziland en formation. Comment gérer le pays? Ses coéquipiers, maman Mado, papa Thomas, Godé, Pasteur Godé et les autres, rentrent en Belgique et en France. L'homme fidèle à Malanga est resté. Lorsque Malanga est en Angola, monsieur le président, il entre au pays en clandestinité. Lorsqu'il entre au pays, il fait appel à son coordonnateur, cet homme ici. Cet homme qui me semble, il est dans la diversion, il vous dit, il comme s'il ne connaissait rien, il ne connaissait pas le Congo. C'est un originaire de Lukula. Le territoire de Lukula dans la fait. Il connaît bien. Monsieur le Président, il connaît bien le Congo central, il entre, il descend avec ses coéquipiers. Il vient avec qui? Il vient avec Benjamin, l'Américain. Ils entrent aussi Kabila, en Angola, Yema, en clandestinité, ils entrent. Il a payé l'argent de manque de dollars. Faux et faux. C'est en clandestinité. Leur maître à penser est déjà à Kinshasa. Christian, qui était resté en Angola, a parlé contact. Lui est là en Angola avec le chrétien là. Des contacts, des parties par là. Jusqu'à ce que lui, il sera dépêché à Kinshasa. Et il est allé jusqu'à Mangaï. À Mangaï, je connais bien la bourgade de Mangaï. Il est allé à Mangaï, monsieur le président. Où il est allé comme recruteur. Il recrute. Paris, il fait voir aux jeunes gens que c'est une ONG. Des bonnes gouvernances, néanmoins, c'est la prise de pouvoir. Il dit non, derrière nous avons déjà le pouvoir. C'est comme ça qu'il va commencer à recruter. Il est resté à Mangaï, il va là tout à moi.
Christian Malanga quitte Angola, il entre lui aussi par la clandestinité. Il va trouver son logement. Auberge Momo. Monsieur le Président, l'auberge Momo va l'accueillir avec son fils, avec l'Américain Ben. Ils sont là. Pendant qu'ils sont là, en train de distraire les gens avec le karaoké chaque soir, en train de danser, et les coordonnateurs ici, les prévenus, recrutent au Congo central. Il fait le tour, il retourne. Il fait le tour, il retourne avec des gens. Lui-même, il connaît ces gens. Abdul, à qui s'entre. Il a des gens à Matadi qui sont positionnés. Et c'est de cette manière-là, tous les tours de recrutement, là, Congo central, Kinshasa, Congo central, Kinshasa, il a terminé d'abord 3 mois à Mangaï. Et c'est de là qu'il a eu Aboubakar. Aboubakar, c'est un leader. Aboubakar, c'est un sportif. Un homme aguerri. C'est lui qui l'a recruté là-bas. En lui disant tout ce qu'il y a des mouvements. Il lui dit clairement, nous allons renverser le président de la République. Et Tchénchis, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il lui dit, c'est athée. Nous allons renverser le pouvoir. Et il a pris ce costaud-là, Aboubakar. Comme un agent de Mangaï, il amène à Kinshasa. Ils arrivent à Kinshasa, ils vont où? Il va présenter Aboubakar, Christian Malanga, chez Momo 19. Tout se passe là. Tout. Comme si on disait, ni vu ni connu. Mais tout le monde sait ce qui se fait et ce qui se réalise. Parce qu'on est impliqué. 3 mois durant, lui à Mangaï, Mangaï ici. Quand vous quittez Mangaï, vous arrivez à Idiof, vous êtes à Kikwit. Monsieur le Président du CDJ, c'était pendant 3 mois il est là. Christian Malanga avec ses deux, son fils et son ami Benjamin Polo. Ils sont vus et connus de tous. Maman connaît tous les détails aussi. Je l'ai ramassé au moment de l'exécutoire à ce moment-là. Monsieur le Président du CDJ, comment il va arriver cet homme ici? Les cordons viennent nous présenter. Il vient présenter qui? Il vient présenter Aboubakar auprès du président. On l'appelait déjà président. Christian Malanga, président. Nous allons prendre le pouvoir. Malgré le mécanisme, lui-même a dit, non, je n'ai pas dit ça à Aboubakar, mais je lui ai dit que nous prendrons le pouvoir bientôt. Tous les jours, en préparatif, en recrutement. Les tenues sont achetées au Congo, à Angola. Et nous parviennent. Lorsque les tenues viennent au Congo, Kinshasa, c'est Aboubakar qui doit aller les prendre. Aboubakar est allé les prendre. L'homme que lui a recruté. Il va arriver à Matadi, il trouve le succès la même. Derrière, il camoufle la milice, il prend les taxis. Et d'ailleurs, monsieur le président, celui qui a payé ces taxis-là, l'argent de financement pour que les pays arrivent, il est là, les carabinières. Il est là. Les prévenus, il se nomme qui est. Les prévenus dans la guerre. Il est là, monsieur le président. C'est lui qui a payé l'argent. Il paye l'argent. Il est l'ami intime au prévenu qui est devant vous ici. Les prévenus sont. Monsieur le président, quand il
il a été trouvé à l'hôtel James de Matadi. Le prisonnier Ruffin, il est là, il fait l'homme de Canada. Il donne son accord et il verse l'argent pour payer pour que le pays puisse entrer à Kinshasa. Bien payé, Aboubakar vient à bord d'un taxi avec le tenu. Et lui, le recruteur, le coordonnateur, il a chaque antenne à Kinshasa, il a. Il a Aboubakar, il a Abdoul, à Matadi, il y en a d'autres qui sont en contact direct avec lui. Et c'est cette disposition-là qui a été prise qu'il faut prendre deux bus. Ils en ont pris deux bus pour embarquer. De Lokula, 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 Lokula. Ils arrivent à Matadi. Matadi, ils contournent le service de l'État. Et lorsqu'ils embarquent, monsieur le président, chez le président, ils prennent des jeunes. Et il est à bord. Le coordonnateur est là, l'adjoint, l'homme de 9 ans d'Iran, avec Christian Blanc, depuis 2016. Donc, de la manière de la fidèle à Kiton, c'est un idéologue. Il sait comment donner l'idéologie pour que les gens entrent au mouvement. C'est comme ça que les jeunes gens ont été pris. Ils savaient le but. Monsieur le Président, le Seigneur Jésus, ils arrivent. Quand ils arrivent à Ouagadougou, ils sont dans le taxi avec le tenu militaire, le gros, une autre partie de tenu dans leur bus. À Ouagadougou, ils le trouvent à Kazamoulou. Ils ont quitté Matadi depuis le 17 mai. Vous imaginez? Il faut y aller mollo pour attendre la date fatidique du 18 au 19. Tout est planifié. Monsieur le Président, qu'est-ce qui va arriver? Il traîne à Kazamoulou. Lorsqu'il traîne à Kazamoulou, il reçoit l'appel de Madame. Madame lui donne l'ordre. Stoppez là-bas depuis 9h, ils sont à Kazamoulou. Il lui dit d'amener 6 hommes avec lui à Kinshasa. Il va vous dire comment faire porter l'arme, je ne les connais pas. Comment vous allez porter l'arme, vous ne connaissez pas. Monsieur le Président, il a laissé le bus. Je voudrais vous dire que lorsqu'ils sont arrivés à Mouba, il y a eu un problème à Mouba. Jusqu'au point que les gens de Koumba commençaient à sortir pour voir. Ils ont abandonné le premier bus. Voilà l'homme là qui a fui avec son premier bus. Jusqu'à ce qu'ils vont les amasser tous dans un seul bus. Monsieur le Président, voilà l'homme là, l'homme a protégé celui-là qui a compris qu'il y avait quelque chose de concret. Des éléments précis, là, ça ressemble à un réquisitoire. Par rapport aux infractions prostituées, j'en viens, laissez-moi vous dire, c'est que ça. Nous avons ici l'infraction d'attentat. L'attentat, j'en arrive. C'est quoi l'attentat? Qu'est-ce qui est arrivé pour que le prisonnier d'attentat? Je viens d'en peu par peu, vous allez m'en passer tout ça. Attendez, nous venons de suivre la version des faits du premier maître. Ne vous parle pas. Le tribunal a fait, le tribunal a posé des questions. Si vous avez des questions, des précisions, ou si vous avez d'autres éléments que vous voulez, des éléments de charge. Les éléments de charge, monsieur le président, il y en a. Il y en a, je vous les donne. Vous voulez aller dans l'essence de l'équisition. Je vous les donne. Nous avons versé au dossier les certificats de décès de 3 personnes. Porteurs d'armes, chemin faisant, ils ont tué Tamba Kevin. Nous avions versé. C'est versé au dossier. Ça, c'est la copie du ministère public. Et c'est tout ça, le ministère là. Mort d'homme. Restez là-bas, maître. Pour cette audience. C'est versé au dossier. Ça, c'est la copie du ministère public. Tamba Kevin. En sortant de l'hôpital, quand j'étais sur la ville 24, je vis comment
ils allaient en terrain. Et j'étais engagé sur la voie, sur la 2024. Quand ma théorie, la sensation de l'essai est là. Étant à mort, Lévis, porteur d'art. Mort d'homme. Nous en arrivons, monsieur le président. Ils arrivent chez Kamel. Ils tuent deux policiers, Tchako Warago et Dodo Lindo, qui avait versé au dossier central de l'essai. La police scientifique était avec nous tous les matins. La police scientifique. Tous les matins, ministère. Et la police scientifique est là avec son rapport. Merci au dossier. Voilà les balles, comment ils ont trouvé. Ils vous mouillent le roi. Notre homme de Chino, Warago, il est dans le fond là. C'est la police, c'est le rapport que la police a fait. Les personnes tuées. Chez Kamel. Monsieur le Président, je suis en train de rencontrer ces infractions. Tiroué chez le roi, le président Vital Kamel et Wakarini. Deux. Les prévenus ici devant vous. Un homme bien rodé. Lorsqu'ils ont utilisé les drones chez. En train de vouloir les cibler, ils ont tiré sur sa chambre, sur la maison, monsieur le président. Tous les matins, j'étais là, le gardien roi, pour constater tous ces faits avec la police scientifique. Voilà, Vital Gamere a échappé belle. Et l'homme à la manœuvre, heureusement que vous êtes un tribunal sage. Vous lui avez posé la question. L'homme à la manœuvre, monsieur le président, c'est lui qui a rampé. Il a rampé pour aller récupérer son homme à Boubacar, abattu par un tireur policier. Oui. Voilà, il abat un policier qui a abattu. C'est lui. Il est allé récupérer les corps. Et son nom est de Mangaï. Il n'a pas voulu laisser, monsieur le président, il est difficile de récupérer un corps. Et lui a rampé et jusqu'à récupérer le corps. Il a mis le corps dans l'église, dans la jupe, et ils ont attaqué les palais de la nation. Ils ont tenté d'assassiner le président Kamel. Et ce qui a manqué, c'est quoi? Ce n'est pas le fait que Aboubacar est tombé, les choses ont changé, ils ont quitté là. J'en viens à la situation de malfaiteur. Une bande armée, et lui-même est porteur d'armes. Monsieur le Président, j'en viens à quelle infraction encore faut-il la détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Il vous dit encore, monsieur le Président, que c'est lui qui était à côté de Christian Barane lorsqu'il a été abattu. Et c'est lui d'ailleurs qui a vu le lieu où il a eu la balle, il a même filmé et il a couvert le visage de Barane. Vous réalisez que c'est l'homme à la manœuvre, le coordonnateur du mouvement qui était jadis ICP, qui a changé en New Zaïre. Dans les buts, ah voilà, il dit, notre but, c'est de renverser les régimes. Et c'est ce qui a été fait. Le Christian Malanga, le président, a dit, fini les régimes. Le président Félix Tshisekedi, la déclaration de prise de pouvoir, il est là, il est photo. Lorsque vous allez visualiser les images, vous les verrez l'homme à la manœuvre, en tenue. Ou au palais de la nation. J'ai réuni ces six infractions à sa charge. Le terrorisme, les actes de violence dans le but de déterminer, de créer la terreur dans la capitale. Nous sommes un jour de Pentecôte. Nous devons aller à la fête de la moisson. Nous nous rencontrons le matin. C'est la fête du renversement des régimes. Et ils étaient en train de célébrer. Il est temps. Monsieur le Président, voilà toutes ces infractions
réfléchir devant l'officier disciplinaire public, assister les trois avocats. Cet homme a été très clair. Très clair, point par point. Comment ils ont dépossédé les armes, les actes de violence auprès des policiers. J'ai versé les noms, la liste des renseignants. Le tribunal va faire appel à ces deux policiers. Ils vous diront comment ils ont été violentés. Ils ont tué Tambacéville. Et vous verrez, monsieur le président, un monsieur, l'ami de Tambacéville, qui viendra ici, à partir de la famille de Ville, vous a dit que cet homme est venu de nous renseigner. Voilà les six préventions à sa charge. Tout est réuni. L'homme ne nous a pas causé beaucoup de tort. Merci. Et monsieur le président, je termine en disant qu'il a été entendu une fois devant l'OPJ. Très libre. Il vient devant nous. Monsieur le président, il comparait, il finit. On l'a récupéré encore pour un interrogatoire. Le PVC, ce cas est là. Il vous narre comment les mouvements devaient prendre. C'est le prévenu ici, l'homme de confiance, je cite. Il est allé dans une association. Il est allé avec Christian Maranda au camp Kokolo. Dès le premier jour, c'est lui qui nous a voir. Ils arrivent au camp Kokolo chez un ancien ami de Christian Maranda, militaire, et de là, ils ont pris une première arme. Une première arme leur donnée, lui et Christian Maranda. La première, c'est celle-là. Maître, laissez-le parler. Une arme au Kambukuru, chez un ancien coéquipier de Maranga, et Maranga qui lui cède à celui-là. Heureusement qu'il a dit qu'il était déjà décédé. L'OPJ l'a amené là-bas pour rechercher cet homme. Il semble qu'il est décédé. Cet homme serré ici. Il y a un solo. Vous avez un cas pour nous. Ah, il Esprit,
Voilà la bonne parole. Alors, personne n'a pas instruction. Pour les années, on a pas instruction. On doit recevoir des gars. Et le problème, c'est qu'il pense que j'avais déjà un arrêt de télé. On dirait que si Maraïe est là, il est là, il est là, il est là. Nous, on a dit troisième. Ce qu'on a là, c'est là, c'est là. Là, on a dit deuxième dans mon coin. Ah, c'est là qu'il y a la première deuxième tête. Voilà, là, et. Zalman. Et. Kailo. Et, c'est un système qu'on a dit. Porteur d'armes dans le but de renverser le régime, il a tué Chemin Faisant, Pamba Kevin et les deux policiers Warago et Don Dolindo à la puissance du président Kamel. Et porteur d'armes, monsieur le président, il a mis votre société très sage. En tant que civil, vous avez l'autorisation de détenir une arme de guerre? Oui, non, à Sibisa Kila. Quel est votre civil? La détention, elle est punie de la même manière que tout autre. Détention légale. Merci, monsieur. Là, vous revenez, la revenez sur vos paroles. Attendez, c'est dans la lumière. Bah. Abissez Bonos. Abissez Bonos. La toile. Il y a un autre pas. C'est là, quand question est là. Beaucoup de gens ne vont pas aller. Qui n'a pas été dans la caméra, il y a moi là. La carte est partie, oui. Ah, il y a moi, non? Donc, ceux qui me disent que la vie, ils ont échappé à la tenue. Après, si tu es à la tenue, on l'a attaqué. Oui, la tenue de l'attaque. Ah, c'est que la drapeau vert, mais la vie, j'ai eu. Ah, oui, la vie, ça qui. Tout tu as voyé la drapeau vert, la vie, ça qui a dans la salle. Là, c'est ma camion. Ah, la vie, j'ai eu là. Est-ce que Monseigneur Ambongo, bata catholique, n'a du mouvement à Bango? Vous avez la Bango et le monde, Bazo, si tu as pris ma boko, tu es la limite. Hein? Tu es la limite. Bon, on a eu téléphone que non, moi, la pousse à l'âme, continuez. La limite. Vous avez la limite. Vous avez la limite. Pour Bazo Panga, la Christian, pour aller vous au pouvoir. La tira, vous faites la Christian. La la Maurice, qui n'est la zone de la partout à Tina Vibre, la terre de sa place mieux sauter. Là, on a un gros là ici. Ah, on a écouté ça dans beaucoup de mieux. Attends, des jours à pas mon zimon côté, sans monter à Bégabi, non, ça n'a pas encore un mot qui m'a passé. Et le gros pango va tourner en l'air, et c'est le gros mal. Et t'as un aïe pour la loi. Mais on voit ya. Si ma maître va qui ont torture. Ils sont mieux sur la torture, la bichon.
Dans la déclaration, maître, t'as de mon sol à être. Il ne faut pas faire ça, maître. Problème, ça, moi. Non, 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 il ne faut pas faire ça. À chaque fois. Vous aurez la parole tout de suite. À chaque fois. C'est à ce moment-là que vous allez réagir. À chaque fois. Là, vous allez juste vous expliquer. Si cette question-là, il n'a jamais été compris. À chaque fois. À chaque fois, vous avez un aïe. Donc, après ce qu'il y a la boule, maintenant, donc, qui nous aillons, après ce qu'il y a des photos, appartement, on est là pour là. Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Heureusement que le tribunal a essayé, bien qu'en vain, de montrer au ministère public que cette phase, c'est une phase de questions-réponses. Il a nos PV, il a les déclarations. Mais néanmoins, le ministère a voulu montrer à la face du monde et lui connaît mieux le Congo plus que tout le monde. Tel n'est pas l'objet du dossier. Ici, nous sommes en matière pénale, le tribunal a posé un certain nombre de questions aux prévenus. Le ministère public a pris parole au lieu de poser des questions ou d'apporter des preuves contraires aux déclarations faites par les prévenus. Il a commencé à nous faire un réquisitoire sitôt. Il attend le moment du réquisitoire viendra, il va le faire. Nous avons suivi le ministère public religieusement, nous avons compris qu'il a une difficulté. Il a une difficulté parce que il faut dire qu'ils ont tué. Tout le monde n'a pas pris l'arme et tiré. Lui vous a brandi des réquisitions faites. La police scientifique, oui, il doit dire à tout le monde que M. Issouf, notre client, avait une telle arme. Cette arme était munie de telle munition. Et après expertise, on a trouvé que c'est la munition qui était dans l'arme. Tenu par les prévenus qui a tué. C'est ça. Mais vous dites, ils nous ont tué. Oui, il y a une mort, mais qui a tué? Qui a tué? C'est-à-dire, tout le monde, soixantaine, je ne sais pas ce temps, a pris l'arme ou a touché l'arme, a commencé à tirer. Non. Il y a eu mort d'homme. Il est certes vrai. Ministère public, ils nous disent, est-ce que notre client, c'est lui qui a donné la mort à tous ces gens? Si oui. Il apporte la preuve parce qu'il est dans la police. Il nous dit voilà, telle arme, c'est M. Souf qui l'a détenue. Résumez-vous, maître. Non, nous voulons seulement poser une question au ministère public. Et nous dire, parce qu'il vous dit qu'ils ont tué. Non, nous ne sommes pas dans ils ont. Nous avons M. Souf, le prévenu. Regardez alors, vous avez la preuve. Par rapport à la question. Distingué juge. Le conseil nous demande qui a tué. Pour qu'un porteur d'armes qui a tué, et nous les poursuivons avant que ça soit qu'il y ait d'ailleurs. Monsieur le Président, nous les poursuivons en participation criminelle. Est-ce que le Conseil connaît? Il connaît bien la participation criminelle. En deuxième grade, déjà, la participation criminelle. La priorité des délinquants. Lui-même est porteur d'armes de guerre. Monsieur le Président, en participation criminelle, comme auteur, auteur ou complice. Selon l'un des mots de participation criminelle, il a tué. Porteur d'armes, il a tué. Monsieur le Président, monsieur le juge, il y a Youssouf qui est là, qui n'est ni parce que vous verrez quand vous allez au
donné qu'on puisse visualiser les images. Vous les voyez peignes à Bombé, à Milford, et les Zaïs, Porterban, et les munitions qu'il a attirées. Seuls, ils connaissent les munitions qu'il a utilisées. L'arme est encore balancée entre ses mains. Je chute, monsieur le président. Je chute. Une théorie, un doctrinaire a écrit. Lorsqu'il y a pluralité des délinquants, nous sommes dans une phase où nous recherchons qui a tiré parmi les gens qui avaient les armes. Porter l'arme, ce n'est pas moi. Mais vous avez l'arme. Porter l'arme, ce n'est pas moi. Priorité de l'électeur. On lui a dit que la théorie de l'empereur des conditions, c'est une théorie, monsieur le président, qui veut vous dire que vous avez une pluralité de prévenus et vous ne savez pas qui a réellement tué. Vous appliquez la théorie à tous les prévenus. Nous l'avons dit. La théorie de l'emprunt. Cette théorie de l'emprunt des conditions. Merci. C'est la doctrine, nous allons verser cela. Merci. Merci. Ouais, il y a une autre préoccupation. Ouais. Bien que le ministère public nous a dit. Tirez les conséquences. On va dire qu'il faut attirer. Qu'est-ce qui prouve qu'il a tiré. Voilà, nous allons tirer toutes les conséquences. Mais néanmoins, le ministère public vous dit, noir sur blanc, il souffre. C'est lui le coordonnateur du mouvement. Nous voulons que par voie du tribunal, que vous puissiez poser au moins la question au ministère public de nous apporter ne serait-ce que les statuts de cet ONG où notre client est le coordonnateur. Parce que cette fonction, quand même, c'est une fonction, si on peut en parler ainsi. Mais c'est écrit où il est, ça où. Oui, on a mal. Youssouf, le PV de l'officier du ministère public, je ne voudrais même pas aller au PV de l'OPJ devant nous, en présence de trois avocats du barreau de Kinshasa en Matete. Il dit quoi? Il dit ceci. Je vous lis, monsieur le président. D'abord, devant l'OPJ, on lui pose la question. Reconnaissez-vous que Malanga n'est pas à sa première tentative de coup d'État? Et il répond, oui, mais il n'était pas bien préparé. À la première tentative, il n'était pas bien préparé. J'étais à Brazzaville. J'avais traversé et j'étais comme recruteur et coordonnateur des opérations. Ça, c'est pas l'OPJ. Il vient devant nous, Youssouf Ezangi, via Toshi, assisté par maître Nicolas Nemo, et suivant du baron de Kinshasa Matete. On lui pose la question. Il nous narre comment il a quitté, il arrive, comment il est envoyé à Mangaï. Comment il recrute lui-même à Boubacar? Comment il a expliqué à Boubacar l'objectif de la mission? Lui-même, monsieur le président. Il continue avec nous. Il va chuter. J'en arrive. Soyez apaisés. Il va chuter en nous disant ceci. Monsieur le président du Sénégal, comment il a ramassé les armes avec Christian Malanga. Il descend jusqu'à nous dire que notre entreprise criminelle avait comme objectif de prendre le pouvoir par la force. Il nous dit encore,
Il chute en disant, Monsieur le Président, que nous avons avancé, arrivé au poste de la police, nous avons arraché la question, c'est de savoir. Les coordonnateurs, j'en arrive, Monsieur le Président. Mais par quel élément vous dites qu'il est l'adjoint ou le coordonnateur de. Tout à fait. C'est ça la question. Il est le coordonnateur parce qu'il a déclaré lui-même. Je vous l'ai dit. Il dit ceci. Ah oui. C'est lui-même qui nous l'a dit, Monsieur le Président, qu'il était coordonnateur du mouvement et recruteur. Nous allons vous les donner. Je pense que vous êtes en train de sortir, on peut passer à autre chose. Hein. Oui, Monsieur le Président, je vous les donne. Tout de suite. Il y a une autre question. Dit que j'étais recruté. Vous ne donnez pas de compte, c'est quoi la compte dans le PV de l'OPJ, compte numéro 9. Bienvenue de l'OPJ, compte numéro 9. Oui, on va bien alors. Ah voilà. Il est dit encore, Monsieur le Président. Il dit à Matadi, nous avons embarqué 16 personnes. Les gens d'équipés et de Lukala ont été embarqués à Lukala. Toutes les nations avaient un représentant à qui j'étais en contact permanent. J'avais coordonné cette opération. Nous avions réussi à embarquer les personnes à Kisantu jusqu'à au premier vice. Voilà. Et c'est après. On peut avancer. Oui. C'est après. Notre client est l'orgie de Lukula. Il n'est pas l'orgie de Lukula. Il est mangaï des bandes de Lukula sur le Congo central. Donc il faut qu'il soit le premier, qu'il soit calme. Parce qu'il y a des choses qu'il dit, c'est vraiment à côté de la plaque. Merci beaucoup. Je pense que vous avez fini les parties civiles, bien qu'on a inversé l'ordre. Le tribunal avait soif d'écouter la défense. Merci beaucoup. Monsieur le Président, juste moi, sans consulter un dossier, et ça nous remplissait personnellement de joie. Parce que qu'est-ce que nous avons encore en ce moment-ci à dire, en ce qui me concerne, de demander une petite précision. Que voici. Dans cette pérégrination, depuis des années, lorsqu'on arrive à l'étape de Kasangulu, le prévenu a dit que on lui avait demandé de garder 4 personnes, si je ne m'abuse. 6. Est-ce qu'il peut dire à votre juridiction pourquoi on lui a demandé ça? À quel fond? On l'a mis. Donc, comme dans Kasangulu, on a vite mis. Il ne connaît pas. Bon, voilà, donc il doit garder 6 personnes. On ne lui dit pas pourquoi. Nous allons en tirer toutes les conséquences. Alors, lorsque cette fois-ci, on est, si je ne m'abuse, chez l'honorable,
dit ceci que il, Malanga, leur a demandé d'amener Vital Kamerhe au palais de la nation pour qu'il puisse être présent quand je parlerai. Je, c'est Malanga. Vous m'amènerez quand même, il faut qu'il soit présent quand je parlerai. Qu'est-ce qu'il a compris par je parlerai? On l'a dit. Pour qui vous répondez? En bas, il m'a dit. En bas, qui ose la main. Yo, le bas qui vous répond. Hein? Alors, vous ose la main. Il a ma prise de pouvoir. Son présence à Kamerhe et bien qui est ajouté mine à la maladie. Voilà bien à éviter. Voilà bien à éviter. Parce qu'il a plein d'aïe. Donc, quand on y est sur la salle, on a plein d'aïe à côté, on va y avoir aussi le salon. Voilà bien à éviter. Enfin, en ce qui me concerne, il a dit qu'on les a habillés. C'est-à-dire, ils se sont débarrassés des habits qu'ils avaient pour porter, si je ne m'abuse, des uniformes militaires. Je pense. Si tel est le cas, quel était son sentiment lorsqu'il change de théorie? On l'a mis. Oui. Pour répondre. Allez, un tout comme il y a là, quand ça va changer ma théorie. Place-moi-même, ça y est plein de gens qui sont. N'y a ce dans la qui est forcé dans mon doute. Place-moi-même, ça y est forcé dans mon doute. Place-moi-même, ça y est forcé dans mon doute. Ça y est forcé dans mon doute. Sentiment, là, ça y est. Mais déjà, ça y est bloqué. Donc, dans le sentiment, là, ça y est bloqué. Et comme là, tu es là, comme sous-sous. Et pas béni, en cas, il n'y a pas de traquette dans le portail. Faire poser une question à tout le monde. Votre honneur, monsieur le président, bonjour. Je tenais d'abord à faire corriger le nom de la victime, le policier qui est décédé chez Kamerhe. C'est Jacques Echako Waranga. Je suis là pour les parties civiles. Jacques Echako Waranga. Je suis là pour les parties civiles et sa sœur, où il habitait. Paco Echako, Esther. Et mon fils Echako Mako. J'ai deux petits points de préoccupation. Le premier ici présent, s'il peut nous préciser sur deux points. Nous dire exactement son niveau d'études. Son parcours scolaire et académique. Niveau d'études. Alors, on va voir
peut-être que ça va dépendre de temps. Comment la mangaï voilà. Après, il y avait la porte de la salle de la salle de voilà. Ça fait 3 ans. Université. Deuxième question. Il nous dit que sa première rencontre avec Christian Malan a remonté en 2007. Peut-il nous dire comment cette connexion a-t-elle eu lieu? Est-ce que ça ne peut pas. Sous un bâton magique, vous voyez, c'est le démon et c'est le contre. Dans le cas où il y a un cas qui est États-Unis, allié, à ce moment-là, il y a une plateforme. La plateforme est aussi. United Communist Party. La tenue sur la directe. La plateforme a tout ça, la politique d'aller, pas fort. Mais dans la pays, la tire, vous avez compris. La conférence, mon fond, c'était pas. On va la réunion, oui, on va la réunion. Oui, mais je crois que je ne vois pas dans ces réponses. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre? Parce qu'il se plaint ici par devant votre guise de tribunal qu'il était un forçat. Que Malanga était détaillable et corvéable à merci. Petit a dit à votre guise de tribunal que Malanga, avec son arme, le suivait derrière pour qu'il prononce, qu'il dise tout ce qui est en train de dire à Mangaï. Ça, c'est la première question. Mon ami, c'est ça la réponse. La Tikala, vous qui êtes sur vous qui êtes à Mangaï, vous êtes au Yogama, la Konga qui est à Mangaï, la salaire qui est par la Konga, dans le bâti 11G. 11G est non recruté. Donc, ça y est, à rectifier. Monsieur le Président, je dois préciser, je n'ai pas parlé de recrutement, je parlais de sensibilisation et mobilisation. Ce débat. Nous avons pour sensibiliser Batou. Si maman qui est, nous avons qui tient ça, on a pouvoir. Christian Malan, nous avons qui Devant votre guise de tribunal, que depuis que Malanga l'a pris en otage dans un bus, l'obligeant, arme à la main pointée sur sa tête, s'habiller et entrer dans le bus, il n'a plus descendu. Parce qu'il avait peur, s'il descendait, Malanga devait tirer sur lui ou devait le suivre avec le véhicule et tirer sur lui. Monsieur le Président, mais lui-même affirme dans son procès verbal que il a reçu les instructions de M. Malanga avec six membres de son équipe d'aller faire la filature, je reprends les mots, la filature dans les domiciles primo de la Première ministre, Madame Soumina, secundo du VPR Jean-Pierre Bemba, tertio l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et faire rapport. Question de voir quand est-ce qu'ils vont sortir, quand est-ce qu'ils vont rentrer. Monsieur le Président, la question est celle-ci. Est-ce que Malanga, avec son arme,
était toujours là. Parce qu'il semble vous dire qu'il était pris en otage. On l'a dit. Ok. La loi arrive au côté. Là, la R a quitté et puis son avis. Il faut qu'il y ait 6 personnes. Pour le salaire, pour le Canada, même pas, dans la réponse. La réponse est qu'en tout cas, le but est en côté. Amen.
Merci, monsieur. Une question. La prison est fermée. Merci, monsieur le président, pour la parole accordée. J'avais juste deux questions. Posez une question, mais serrez Barion. Pose une seule question, sinon je vais vous retirer la parole. Ok, ça va, merci. Je dis, si le monsieur confirme que les téléphones et les sacs du chauffeur étaient ravis avant qu'il prenne fuite. À poser cette question. Le téléphone n'a sac et un chauffeur. Comme votre collègue avant, il est au avant que le chauffeur prenne fuite. Avant que le chauffeur a qui La Zahir a pisté. Mais. Mais je ne sais pas, j'ai suivi son audition ici. Il a bien précisé que le chauffeur avait pris fuite avant de partir. C'est pourquoi madame a été fâchée, pour être furieuse, pour aller et revenir avec un esprit de vie et un Dieu. Quand on a dit la radio, on a dit la radio.